Campus TIC21 est une approche critique des médias, de la société de l'information. Il s'agit de comprendre pour pouvoir soi-même produire, c'est ce qu'on appelle le 2.0, mais aussi utiliser la télévision, l'ensemble des sources d'information d'une façon intelligente et constructive. Internet et les nouvelles technologies contribuent au développement durable en rendant les bâtiments plus intelligents, en améliorant les impacts de la mobilité, en inventant des nouveaux modèles économiques, en améliorant la gouvernance des territoires, en travaillant ensemble. Enfin, Internet et les nouvelles technologies peuvent contribuer au développement durable si, bien évidemment, on prend en compte l'ensemble des impacts négatifs, qu'ils soient sur le plan environnemental, social ou même culturel. Les espaces publics numériques sont évidemment des lieux très privilégiés pour le programme Campus TIC21. Ils sont animés par des experts du numérique, des experts de l'e-inclusion, toute l'utilisation de ces technologies, que ce soit pour travailler, pour avoir accès à la culture, pour partager avec d'autres. Évidemment, ce sont des lieux favorables au développement durable. Campus TIC21 est un programme développé avec beaucoup de partenaires. C'est un programme ouvert et participatif. On est très attentif à toutes les propositions, tous les travaux en commun qui nous permettent de faire avancer cette question de l'éducation au développement durable. We'll be right back.